Quand j'ai passé mon BP, mon formateur m'a parlé des Olympiades des métiers. J'en avais déjà vaguement entendu parler. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas se prêter au jeu? C'est vraiment une belle aventure avec l'équipe de France. Chaque jour, on découvre plein de choses. On mûrit, on grandit. C'est vraiment plein de bonnes choses cette aventure. Allez! C'est du sport beaucoup, mais c'est pour nous apprendre à nous surpasser par rapport à la compétition. La compétition, c'est quelque chose de très dur quand même. C'est une très très belle aventure, une très belle cohésion de groupe et on a une très bonne équipe. Tout va se passer pour le mieux à Göteborg. J'ai un CAP et un BP en installation électrique. Je fais Zero Skill. Mon centre d'intérêt pour ça, c'est d'avoir une grande expérience pour moi la suite. Après, j'espère que tout va bien se passer. J'ai voulu finir en quelque sorte les parcours, faire les Zero Skill, et j'espère que je vais avoir la médaille d'or pour représenter la France. J'ai choisi de faire les Olympiades donc du coup pour représenter une belle image surtout de mon métier. Et aussi de me comparer aux autres candidats de mon âge. C'est une super aventure vraiment. On découvre une super cohésion d'équipe, du dépassement de soi et c'est vraiment quelque chose de fantastique, une aventure. On a la chance de la vivre une fois donc on en profite à fond. Au 3 décembre, nous allons nous retrouver nombreux à Göteborg pour encourager ces 26 champions et leur staff. Je sais déjà que de nombreuses personnalités feront le déplacement pour vivre ce moment et redonner du peps à tous ceux qui doutent de l'avenir et des capacités de notre jeunesse. Nos jeunes, on va dire, nos jeunes et nos apprentis, ce ne sont plus des enfants, ce sont de jeunes adultes. Et ils excellent dans leur métier, ils excellent dans leur profession, ils excellent dans l'art de faire voir ce qu'ils sont capables de faire. Et quand je vois un jeune de 21 ans qui fait un geste professionnel que certains anciens ne sont pas capables encore de faire avec 20 ou 30 ans de métier, c'est phénoménal. All Skills, c'est une très bonne image de la profession. Au travers de ces 6 jeunes, c'est promouvoir tout le réseau du 3CRBTP, qui va avoir quand même une vitrine au niveau européen pour le métier du BTP. Persévérance et confiance, l'excellence c'est la France. Team de choc, on est à bloc. Exigence, performance.